Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal. Attestation unique de déplacement après la pédagogie, place à la verbalisation. Hier, sur les 244 véhicules contrôlés par les forces de l'ordre, 28 ont été verbalisés pour mauvais comportement. Nous en parlerons en liaison Skype avec le psychologue clinicien Grégoire Thibouville. En Polynésie, le couvre-feu est entré en vigueur hier jusqu'au 15 avril. C'est une étape supplémentaire dans la lutte contre le Covid-19. Haut commissaire et gouvernement ont appelé à la responsabilité de chacun. Le témoignage d'Ingrid Govan, calédonienne confinée en Allemagne. Nous écouterons ses conseils par Skype depuis son bureau à Munich en mode télétravail. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, rappelons qu'au total en Nouvelle-Calédonie, 15 cas de Covid-19 sont placés en isolement au Médipôle et sont dans un état stable. Ce samedi, sur les 98 tests effectués, aucun n'est positif. Aux îles Loyauté, depuis le début du confinement, aucun cas n'est déclaré. À noter qu'hier, 10 tests ont été effectués, 8 à Lifou et 2 à Ouvéa. Pour l'heure, aucun n'est positif. Et puis, sachez que le maire de Lifou, Robert Howey, a priorisé un numéro de téléphone de 45 53, vous le voyez sur votre écran, pour toutes les personnes de Lifou qui sont revenues de Nouméa entre le 10 et le 19 mars, et ce, afin de se faire connaître auprès des autorités compétentes et par mesure de sécurité sanitaire. Et on en vient au fait du jour. Vous le savez, les déplacements en période de confinement strict sont limités. Une attestation à usage unique est nécessaire. Après la phase pédagogie, les forces de l'ordre sont désormais passées à la phase verbalisation. Hier, policiers et gendarmes ont verbalisé plus de 10% des véhicules contrôlés. Antoine Leteneur et Nicolas Fasquel. Une ambiance de couvre-feu. Sauf qu'hier soir, dans Nouméa, ils étaient nombreux à se déplacer malgré le confinement imposé. À l'embranchement de la caserne de Normandie, au bout de 30 minutes, déjà 3 contraventions. Je suis sorti du boulot tard, lui il n'a pas de voiture, donc on a pris la voiture, il fait les courses et puis on rentre. Vous devez être muni d'une attestation. Je reconnais que j'ai pas. Monsieur. Interdiction de faire ses courses entre amis et sans laisser passer. Prochaine étape, l'achat d'un timbre amende. Alors pour le moment, les contraventions, c'est 15 000 francs et c'est pour les personnes qui ne présentent pas l'attestation sur place, sur le champ. Et ensuite, ça passera à combien s'il y a récidive? S'il y a récidive, c'est prévu à 90 000. Au rond-point de Mageco, cette fois en zone police, les agents ne pouvaient pas stopper toutes les autos, mais parmi celles qui étaient contrôlées, de nombreux contrevenants. Si, on savait, mais c'était... Elle était périmée, notre demande de dérogation de sortie. Et donc là, vous allez en avoir pour combien? 15 000 francs chacun. Et les principales excuses, c'est soit ils doivent se rendre dans la famille en urgence, soit ou sinon ils doivent aller, bon, la particularité locale, se rendre aux roulottes. Donc on précise que pour aller chercher les repas, une seule personne suffit à bord du véhicule. Vous n'avez pas besoin d'être quatre à bord du véhicule pour vous rendre et chercher à manger. C'est pareil pour les autres enseignes de distribution rapide. Vous n'avez pas besoin d'être quatre à bord du véhicule. Police nationale, police municipale de Nouméa et gendarmerie ont filtré les allées et venues sur 3 points névralgiques de la ville pour cette première grande opération de répression. Les forces de l'ordre ont fait de la pédagogie pendant quelques jours pour expliquer aux gens l'intérêt d'avoir leur attestation, leur pièce d'identité, ce qui a été très bien respecté sur l'ensemble du territoire. Avec les gens ont bien compris le principe, mais il faut aussi que maintenant ils comprennent que si on n'a rien à faire dehors, il faut rester chez soi. C'est très important pour lutter contre le Covid-19. En 3 heures hier soir, 244 véhicules contrôlés et 28 de ces fameuses contraventions à 15 000 francs. Et ce n'est que le début. Dans l'actualité également, les Français bloqués hors de la Calédonie, par exemple, une soixantaine, dont 18 résidents calédoniens, sont retenus à Fidji. Il s'agit de touristes ou de personnes en mission courte durée. Depuis 10 jours, ils attendent un vol retour Air Calin. Plus le temps passe, plus la situation devient compliquée. Mylène Rokia, professeure de français à l'Alliance française, témoigne de cette épreuve par Skype. Elle est interrogée par Isabelle Braoué. Jeudi soir, j'ai réservé un vol qui était censé passer par Singapour, puis Londres, puis la France, et il m'a directement été refusé d'accès.
Et le lendemain matin, j'ai réservé un autre vol qui était censé passer par l'Australie, puis Abu Dhabi, puis la France, et qui de même, en fait, l'Australie, entre-temps, a déclaré qu'elle fermait ses frontières et qu'elle n'autorisait pas les transits ni rien. Donc, en fait, de là, je suis restée coincée ici par rapport aux lignes commerciales. Donc, entre-temps, j'avais bien sûr contacté l'ambassade de France ici au Fidji, qui est très disponible et qui essaie vraiment de mettre tout en œuvre pour nous rapatrier, et qui, elle, donc, était en négociation avec le gouvernement calédonien et Air Calin pour essayer de nous affréter un vol qui puisse nous rapatrier jusqu'à Nouméa, et ensuite de Nouméa prendre un vol Air France jusqu'à Tokyo, puis jusqu'à Paris. Sauf que ça fait plus d'une semaine que l'ambassade de France est en train de négocier ça avec la Nouvelle-Calédonie sans succès. Ils ont dit non à plusieurs reprises. Et en fait, on est en train de louper les vols qui vont jusqu'à Tokyo, parce que bientôt, à terme, je pense que l'aéroport de Tokyo va également fermer. Et quand ça, ce sera fermé, il n'y aura vraiment plus de lignes pour nous rapatrier en France, en fait. Étant donné qu'il n'y a pas de ligne directe vers la France depuis ici. Si on n'a pas ce vol en fait, de rapatriement vers Nouméa et ensuite vers Tokyo, dans les prochains jours, à mon avis, on va rester bloqué ici pendant une petite période. Et nous restons en mode Skype avec notre invité, le psychologue clinicien Grégoire Thibauville. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Alors, vous êtes vous-même confiné depuis plusieurs jours. Comment peut-on gérer et comment gérer finalement ces situations de stress, de blocage ? Je pense que c'est une réaction, je dirais, normale d'avoir un peu peur, d'être stressé ou anxieux, puisqu'il faut se dire que c'est une situation exceptionnelle et se faire confiance sur notre capacité à s'adapter à cette situation extrême. Oui, mais ça peut être parfois vécu comme une peine de ne pouvoir sortir de chez soi. Est-ce qu'il faut réinventer des modes de vie, selon vous ? Moi, je pense que c'est l'occasion de vivre avec soi, les autres et le monde, donc changer un peu son rapport. On est forcé, en tout cas par le confinement, à expérimenter de nouvelles formes. Et c'est l'occasion de voir qu'on peut changer nos habitudes, qu'on peut gérer autrement des fois pour certains la solitude. C'est une nouvelle expérience, il faut la vivre comme une nouvelle expérience. Est-ce que finalement ces visioconférences, un petit peu ce que nous faisons ce soir, pour vous les téléconsultations, j'imagine en tant que praticien, ce sont de nouveaux outils désormais ? Moi personnellement en tant que psychologue, je pratique depuis plus de 10-12 ans la visioconsultation, donc c'est quelque chose que j'ai mis en place très rapidement ici pour les broussards, pour les femmes en situation de grossesse pathologique, etc. Donc, il a fallu le mettre en place pour nos activités en libéral, en tout cas, pour maintenir le lien, les accompagnements, les suivis avec nos patients. On a vu en début de journal des personnes qui transgressent un peu les règles, qui ont des comportements un peu de dérive. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces personnes-là ? Bon, le fonctionnement humain, ça fait partie du fonctionnement humain de transgresser des fois les lois. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans un état de menace, en fait, c'est une situation extrême qui nécessite que chacun se responsabilise et montre l'exemple. Je pense surtout aux adultes, c'est peut-être l'occasion pour nous de montrer l'exemple à nos enfants, qu'on est capable de respecter des nouvelles règles qui nous sont imposées, qui nous limitent dans nos libertés. C'est frustrant, c'est déstabilisant, ça peut réveiller plein de choses. Mais aujourd'hui, il est question d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir lutter contre ce virus. Et une dernière question, Grégoire Thibauville. Vous parlez de réveiller quelque chose. Est-ce que ça peut réveiller des violences intrafamiliales, par exemple, c'est ce type de confinement ? Être confiné dans une trop grande proximité, on sait très bien que malheureusement, l'être humain n'est pas fait pour rester entre quatre murs. Donc c'est vrai que ça va nécessiter de la part de chacun de trouver des activités, de se relaxer, de pouvoir aussi échanger. En tout cas, il va falloir trouver de nouvelles formes pour éviter les tensions qui vont sûrement émerger, parce qu'on n'est pas habitué à être les uns sur les autres. Donc c'est un nouvel exercice, et je pense que chacun, en discutant ensemble au sein d'un foyer, est capable de trouver des solutions. Grégoire Thibauville, merci pour avoir accepté cette liaison par Skype. Et nous restons toujours avec l'épidémie de Covid-19 et la lutte contre son introduction du virus par voies aériennes. Notamment, la compagnie Air Calin a mis en place des procédures pour nettoyer, désinfecter ses appareils, et ce, afin de protéger son personnel et ses clients quittant ou entrant sur le territoire.
Caroline Antich-Martin et Gaël Decheverry ont assisté à une séance de décontamination. Tenue de protection exigée pour ces deux chasseurs de virus. Leur mission, désinfecter avant chaque vol les appareils d'air câlin à l'aide de ces fogueurs, autrement dit ces brumisateurs chargés de produits désinfectants. C'est un produit bien spécifique qui a toutes les propriétés nécessaires pour pouvoir faire ces désinfections avion en les vaporisant dans toute la cabine et éventuellement dans la zone cargo également. Évidemment, c'est des produits qui sont homologués aérolotiques, qui permettent justement d'être aussi sans gêne pour les passagers, mais qui ont toutes les propriétés microbiologiques nécessaires pour la lutte virucide que nous avons besoin. Actuellement, la compagnie calédonienne opère 4 rotations hebdomadaires, 2 sur Sydney uniquement pour le fret et 2 sur Tokyo pour le fret et, dans le sens Nouvelle-Calédonie-Japon, pour rapatrier les non-résidents vers la métropole. Là encore, des mesures strictes sont appliquées pour protéger les voyageurs. Un siège minimum entre chaque passager, plus de presse à bord, port du masque fortement conseillé, mais aussi bien sûr pour protéger les 9 personnels navigants. Nous avons adapté les méthodes de service et nous avons renforcé les mesures de protection pour le personnel navigant en leur mettant à disposition des masques, des gants, du gel hydroalcoolique. Nous avons également revu les méthodes de service pour éviter au maximum les contacts entre les personnes présentes à bord. Pour l'heure, Air Calin ne transporte plus que 300 passagers par semaine de Tontouta à Narita, un chiffre amené à évoluer en fonction de la situation. Le programme est revu quasiment chaque jour pour adapter les rotations aux besoins et notamment aux décisions des autorités. Le Japon vient d'interdire l'entrée à toute personne ayant séjourné dans des pays européens, Calédonie comprise, dans les 14 jours précédant son arrivée. Pour l'instant, cette décision ne s'applique pas aux passagers en transit et au personnel navigant. Autre secteur impacté par le Covid-19, le tourisme, et notamment à l'île des Pins, où cette activité est la principale de l'île. Là-bas, les professionnels subissent de plein fouet la crise. Beaucoup de structures d'hébergement ont dû fermer, comme le gîte de Guillaume Couaté, qui emploie 20 personnes. On l'écoute, joint au téléphone par Sylvie Méhoun. Depuis le 21, nous avons mis les employés on les a libérés par rapport aux consignes données du gouvernement, et aussi bien avant, on s'est réunis avec eux pour nous donner un peu les consignes concernant justement le point le plus crucial, leur salaire, quoi. Et on les a rassurés que le mois de mars, ça va être assuré. Et par la suite, concernant l'autre mois, bon, on verra par la suite. Donc en fait, vous, de votre côté, vous attendez beaucoup des autorités, je veux dire, par rapport aux aides. Tout à fait, parce que, bon, au niveau de l'ensemble du tourisme, sur le plan économique, on est à l'écoute, quoi. Donc on attend pour préparer la suite en donnée au niveau des demandes des différents établissements et les différentes entreprises, quoi. Dans la région, en Polynésie, le couvre-feu est entré en vigueur ce soir. C'est une étape supplémentaire dans la lutte contre le Covid-19, où déjà 30 cas sont avérés. Hauts commissaires et gouvernement en ont appelé à la responsabilité de chacun et à la solidarité nationale. Le reportage de Polynésie la Première. C'était couru d'avance. Le haut-commissaire l'a annoncé. Le couvre-feu est officiel en Polynésie française. Nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu général sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Ce couvre-feu prendra effet à partir de ce soir, vendredi 27 mars, à 20h. Il s'appliquera jusqu'au 15 avril, comme l'ensemble des mesures de confinement. Toute sortie sur l'espace public sera interdite sur l'ensemble des îles, tous les jours, entre 20h et 5h du matin. Les contrôles vont se durcir et les déplacements seront davantage limités. Chaque habitant doit rester dans sa zone. C'était une demande des médecins. Les personnes en autoconfinement seront sous surveillance. Plus question de leur faire confiance. Il s'agit donc à partir d'aujourd'hui de limiter encore plus nos déplacements pour ne pas propager le virus. Je le répète à chaque fois, c'est nous qui faisons se déplacer le virus. De plus, nous avons décidé
la mise en place d'un contrôle strict des personnes en confinement à domicile après leur retour sur le Fénois. Concrètement, cela se traduit par la mise en place d'un dispositif exceptionnel de suivi et de contrôle des personnes qui sont en autoconfinement pour une durée de 14 jours. Pour ce faire, une plateforme téléphonique a été ouverte au Haut-Commissariat en liaison avec le Bureau de veille sanitaire du pays pour appeler quotidiennement ces personnes suivies. Une douzaine d'agents appellent désormais chaque jour près de 1000 personnes pour s'assurer qu'elles sont bien chez elles, qu'elles appliquent les gestes barrières et qu'elles suivent l'évolution de leur état de santé. Dominique Sorin qui a aussi annoncé qu'il souhaitait garder un lien avec la France une fois par semaine pour transporter du matériel médical et pour les évacuations sanitaires. En métropole, la chloroquine, un médicament au cœur de tous les débats sur le Covid-19. La molécule fait l'objet de millions de consultations sur Internet et suscite des débats passionnels dans la communauté scientifique. Le point avec nos confrères de France 2. Le grand public ignorait jusque-là son nom. La chloroquine et son dérivé, l'hydroxychloroquine, font aujourd'hui beaucoup parler d'elle dans la lutte contre le Covid-19. Commercialisée sous plusieurs noms selon les pays et les laboratoires, cette molécule aux propriétés antivirales a l'avantage d'être déjà disponible et bon marché. Dans quel cadre la prescrire? Un décret publié hier a fixé les règles. On commence le traitement à l'hôpital sur une forme sévère ou oxygénodépendante, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'oxygène. Et ce traitement pourrait être poursuivi en ville dans un deuxième temps. Et les médicaments sont délivrés par des pharmaciens hospitaliers. Quand l'administrer? Les scientifiques sont divisés. Certains préconisent de prescrire la molécule dans la phase la plus grave de la maladie, c'est-à-dire au moment où les malades ont une infection respiratoire. D'autres, au contraire, proposent de la donner assez tôt, une fois les premiers symptômes apparus. Si on doit utiliser des antiviraux, on doit l'utiliser chez des patients qui sont symptomatiques et qui ne sont pas dans des cas d'extrême sévérité, car dans ces cas d'extrême sévérité, les antiviraux n'ont certainement plus d'action à mener. Des essais en cours devraient permettre de valider la bonne stratégie. Quelles sont les autres pistes de traitement? Des dizaines de recherches sont actuellement menées dans le monde. En plus de l'hydroxychloroquine, certains testent des traitements déjà mis au point pour lutter contre Ebola et contre le VIH. Les premiers résultats sont attendus dans 2 à 4 semaines. Le Covid-19 et ses effets collatéraux bénéfiques à présent, avec la solidarité qui s'exprime. Ce matin, à Nouméa, un restaurateur est tombé en panne de chambre froide. Il a immédiatement mis en place une distribution alimentaire d'urgence. Reportage Lorelai Aubry, Cédric Michaud. Une banale coupure d'électricité aura contraint un restaurateur de Port-Moselle à réaliser un don. 500 kilos de denrées surgelées au profit de structures associatives. Contacté en urgence, Macadam Partage, le centre d'accueil Les Manguiers et Zero Waste Pacifique se mobilisent afin de les redistribuer. Une véritable course contre la montre est engagée. Il y a des fruits de mer, il y a du pain, il y a des gâteaux, il y a du lait, il y a différents éléments qui étaient en stock pour de la viande aussi, pas mal de viande qui était en stock pour le restaurant dans la chambre froide à lâcher. Et ben là, il faut faire vite parce qu'en fait, c'était des produits frais ou surgelés. Et donc, on va les livrer tout de suite pour qu'ils soient directement consommés par les familles du foyer Les Manguiers. Direction Nimbo, dans le quartier de Ducos à Nouméa. Ici vivent une centaine de personnes en situation de précarité, essentiellement des familles monoparentales que le confinement imposé par la crise du coronavirus fragilise. Naturellement, le ravitaillement à domicile est apprécié. Pour les familles ici, c'est bien. Comme on ne peut pas se déplacer, on est obligé d'avoir un papier pour partir circuler partout. C'est encore plus difficile, comme on est sur Nimbo. Et on avait une navette, la navette Taneo, mais c'est suspendu avec ce virus qui traîne. Un virus qui traîne et génère une situation de crise à la fois sanitaire et sociale. Pour Alain Poigeot, il est impératif de repenser le dispositif de l'aide alimentaire sur le territoire. Le problème qui va se passer dans l'avenir, c'est que nous avons besoin d'un lieu de stockage.
permanent. Donc nous avons déjà mis en place un projet avec les deux autres associations, la RAPSA, l'accueil, en lien toujours avec Zero Waste Pacifique, pour la création d'un dock de stockage au niveau de la RAPSA à la Vallée du Tir. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens financiers pour mettre en place cette chambre froide et nous faisons un appel aux dons d'argent pour qu'on puisse construire rapidement cette chambre froide dont le montant est estimé environ à 2,5 millions, 3 millions. Si la logistique de l'aide alimentaire n'est pas encore optimale, les denrées, elles, ne manquent pas. Une aubaine pour les personnes âgées, isolées ou démunies, particulièrement exposées en ces temps de crise sanitaire. Et dans notre série « Nos témoins confinés sur la planète », ce soir, nous écoutons le témoignage et les conseils de la Calédonienne Ingrid Govan, en poste depuis 3 ans à Munich, en Allemagne. Elle nous explique depuis son bureau les mesures de confinement dans un pays très discipliné. On l'écoute, elle est jointe par Dave Wayonasson. Bonjour à tous les Calédoniens. Une petite mise à jour de ce qui se passe en Allemagne. Bah écoutez, je suis Ingrid, je vis en Allemagne depuis 3 ans et je travaille dans une compagnie d'assurance dans le domaine des juridiques. Donc ici, on est en confinement depuis quasiment 3 semaines. Donc 2 cas positifs se sont révélés dans notre office. Et de ce fait, tout le monde, les 1400 employés à Munich ont dû rester à la maison. Ça a causé bien sûr des problèmes techniques, car du coup, je n'avais plus Internet à la maison et j'avais vraiment des problèmes techniques. Donc mon ami que j'ai contacté m'a permis de venir travailler en journée et d'utiliser Internet chez lui. Donc là, on travaille ensemble et de ce fait... C'est sympa quand même, j'avoue. Et je vais vous montrer à l'extérieur qu'en fait, on est en confinement, mais il y a quand même des gens à l'extérieur. Donc vous pouvez voir, confinement, oui, mais de manière beaucoup moins stricte qu'en France. Donc on n'a pas besoin d'attestation. Et en fait, les Allemands sont assez disciplinés, beaucoup de discipline. Donc les gens restent chez eux. Ils sortent que pour... faire des courses, tout ce qui est nécessaire. Mais tout se passe bien, donc une journée de travail, on prend des breaks. Du coup, je m'occupe aussi en faisant un peu de yoga et de sport à la maison. Mais tout se passe bien. Donc si je peux vous donner quelques conseils, ne vous isolez pas, contactez votre famille, occupez-vous, lisez, faites des blagues, ça aide aussi. Allez tata, bye bye. Voilà, avant de se quitter, le rappel d'une des informations principales de notre journal, attestation unique de déplacement. Fini la pédagogie, place à la verbalisation. Hier, 10% des véhicules contrôlés par policiers et gendarmes ont été verbalisés. Et rappelons qu'une attestation à usage unique remplie est nécessaire pour se déplacer. Voilà pour l'actualité locale. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que l'info, c'est aussi notre site web et la radio. À suivre ce journal, un documentaire musical sur Manu Dibango, où on se retrouve demain à 19h30. Excellente fin de soirée sur la première, évidemment.